Bonjour. Belle, bonjour. Bien, bonjour à toi. Oui, l'homme qui transpirait à cause des beaux kits. T'es pas en live là? Si, je suis en live. Nous sommes live. Nous sommes en live. Ok, salut. Voilà. C'est Mike qui organise. Non, parce que j'ai non, j'ai vu que t'étais en live, j'ai écouté d'un de ces nouveaux morceaux. Ou c'est un ancien morceau, parce que du coup, ton répertoire est tellement grand que je sais plus quand c'est des nouveaux morceaux ou quand c'est des morceaux C'est qui datent. un morceau qui a Genre ça. trois semaines à moi, je crois. Non, c'est un nouveau morceau. Trois. Et il vient juste de passer pour Ok. la première fois sur l'émission de Claudie sur RFI. C'est pour ça Ok. que j'appelais Faina, avec qui Nice. j'ai fait cette chanson. Bon, ça défonce, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ouais. J'imagine un peu. Ben moi j'étais dans la douche. Ah, parfait. Non, Tu veux mettre la vidéo pour montrer tes ça yeux? va, merci. D'ailleurs, j'étais en train de finir le mix de. D'ailleurs, je sais même pas c'est quoi le titre. Quoi, notre truc là? Ouais. Alors Ouais. celui-là Ouais. il sort chez vous, celui-là? Non, c'est temps toujours. Ok, donnez-moi du catalogue, je prends. Je Faut pas venir me chercher en disant, en me traitant de P. Diddy dans 10 ans. D'ailleurs, écoute. je vais appeler Soumia. Je vais Eligio, vous allez faire une class appeler action. Lucha, Elisio, ABG. Allez faire un tell all documentary. Là, je te fais. Ah, oh, ça y est. Oh, putain. Ouais. J'ai Non, mais fait. c'est pas ça. C'est que moi, je sais pas où le mettre, en fait. Ah, vas-y, balance. Moi je Ah, moi je ça, ça va dans ton. Ça moi va je dans ton. Ouais, moi je les mets dans mes albums, t'inquiète. Moi je fais un album tous les 6 mois maintenant. Dès que j'ai 20 singles, le 20e, je rajoute les 19 et ping, j'ai un album. Non, mais tu sais qu'on a. Après, je sais pas si tu vas vouloir le sortir, mais t'as Matt qui avait demandé le morceau. Il chantait un morceau avec. Le morceau où on l'appelait Jean-Michel. Ah, le Metal Sound? Ouais. Ah, il est frais ce morceau. Bah, savoir ce qu'on faisait, ce que tu allais en faire. Moi, j'ai dit, moi, de toute façon, c'est. Kesha, c'est le seul qui, pour moi, est dans le circuit, donc. Autant lui renvoyer. Écoute, hein, moi je suis OP, hein. Si on a les autorisations, je m'assure que toutes les autorisations sont gérées et puis let's go. Ah ouais, hein. J'ai fait le podcast. Alors, c'est bon, c'est passé. Très très bien, très très bien. C'était pas assez long. On n'avait pas assez de temps. Il m'avait dit 1 heure, on en a fait 2. Mais ils ont dit on en a besoin de encore 2 ou 3. Il fait bah oui hein, les gars. On est. Ah, mais 1 heure, mais il les découvre après, c'est long, quoi. Non? Ouais, je crois que ça va être 2 épisodes d'1 heure. Je crois, hein. Je suis pas sûr. Ou je crois que c'est Ok. 2 fois 40 minutes. Je suis pas sûr. Mais franchement, ça s'est passé assez vite, hein. Ah, c'est beau en blanc, comme ça. Ouais, c'est sympa, hein. Ah, Ouais. puis tu devrais voir derrière, il est magnifique ce t-shirt. Attends, regarde, il est tout brodé. Oh, des frais de ouf. Tout brodé. Attends, je vois pas. Ouais, je suis carrément décalé. Bah Je oui. vois pas le. Je vais voir Ah oui, l'arrière, je peux tu le voir. vois après. Bah oui. Il y a à peu près 5 secondes de décalement entre le moment Et ça, où. c'est quoi? C'est des t-shirts de ta gamme, ça? Non, Ah, celui-là, non. Mais j'ai les mêmes, j'en ai pareil. Même taille, même truc. Mais celui-là, c'est. Si je me rappelle bien, c'est Azos, je crois. Ok. Ou un truc Et comme ça. du coup, alors, est-ce que tu as récupéré ta chaîne? Laquelle? Ah, Ah, chaîne. Instagram? Ouais. Non? Toujours pas, putain. Non, non. Écoute, j'ai 4 000 nouveaux followers
sur TikTok tous les jours, donc. Ok, donc ouais, t'es parti sur TikTok. Ah, écoute, hein, moi je vais là où je me concentre, là où les choses se font, hein. Insta, s'ils veulent rendre ça impossible pour les créateurs, c'est eux qui vont, c'est leur plateforme qui va devenir comme Facebook, c'est-à-dire inintéressante. Bon, faudra dire au frère Sierre de prendre ton Instagram. Je vais lui en parler. Je vais dire de Oh, faire une annonce. blague. Je vais dire de faire une annonce sur RFI. Je vais dire de faire une. Voilà. Tu te rappelles quand on allait faire le concert de Xtase en Martinique en 1996? Et il y a Ouais. Eric Sciard qui est arrivé avec Tcheco et qui a fait Ouais, vous pouvez pas chanter notre master. Et puis il a dit, mais pourquoi? Ouais, parce que c'est notre master, vous avez pas chanté ces sons-là. Et il y a Eric qui est arrivé, c'est la première fois que je le voyais, et il a fait Ouais, d'ailleurs, moi je suis éditeur, donc effectivement, sans notre autorisation, vous ne pouvez pas faire ce show au Cap. C'était quoi? C'était le chalet village, je crois. Non, c'était où? C'était, C'était non, c'était en Guadeloupe ou en Martinique? Ah, c'est en Martinique, la première C'était au fois. chalet, c'était au chalet. C'était En au fait, chalet, c'est arrivé c'était... l'après-midi. Et Ouais. il dit ouais, moi je suis l'éditeur. Et je crois qu'il avait repris la production du titre ou la distrib chez Déclic. Et je lui ai dit, bah ça tombe bien, on n'a pas de contrat d'artiste, donc on a fait du travail au noir, on connaît pas nos royalties. Donc si vous voulez pas qu'on D'ailleurs, chante le j'ai envie de parler master, de ou vous voulez ça. pas qu'on chante sur votre master, il va falloir aussi que vous parliez à nos avocats. Et là il a fait. Voilà, et allons nous asseoir, nous asseoir. Toi, je t'aime bien, toi. Extase, en fait, il voulait forcer les jumelles, alors que le public les bouait tout le temps. Le public voulait pas d'elles. Il voulait les forcer, il voulait les pousser à tout prix. Et c'était le son qui était numéro un, Extase. Je me rappelle, ils avaient fait Le tour des yoles. d'Indiana. Ouais. Ils avaient fait, ouais, le tour de. C'était le truc cycliste, là. Ouais, je crois que c'était. Ouais, ça avait fait l'arrivée. Non, l'arrivée des trucs, des bateaux, là, les tours des yoles. Ah, c'était ça. Et les gens, Moi, je me les rappelle. gens les huaient et Ouais. tout. Elles Ah, ouais, arrivaient. ils avaient fait des poésies, mais il n'y avait pas le titre qu'ils faisaient avec toi? Si, mais le problème, c'est que c'était notre titre qui était numéro 1 en radio, à l'époque. Et nous, on savait pas, puisque nous, on n'écoutait que du C'était la R&B. découverte. Oui, c'est ça. Et c'est quand Jean-Michel a disparu sur nous pendant un mois, ou je sais même, tu sais quoi, la durée, je sais même pas combien de temps, tellement on a regardé les champs à Cannes et qu'on a regardé BET. Et puis Ah. c'est quand il y a eu la tournée Pringles Virgin Cola, que là le gars nous a dit mais Ah attendez, oui, effectivement, c'est vrai, mais c'est vrai, vous c'est êtes vrai. numéro un, nous, moi je cherche Xtase. Il dit mais Xtase, qui dans Xtase, c'est une compile. Mais non, mais à chaque fois qu'ils nous vendent Xtase, ils ramènent les deux meufs là, personne les veut. Nous, on veut le son, là, qui est numéro un. Mais qu'est-ce qui est numéro un? Il a mis la radio, on l'a écouté, on a dit, mais t'es sérieux, toi? C'est nous. Et il a fait, vous êtes sérieux, les gars? Donc on a chanté devant lui, et puis il a fait, les gars, tournez. Et comme d'habitude, Et il y avait ceux qui voulaient il y avait attendre pas Jean-Michel à comment tout ça prix. c'était pas Joël comment ça s'appelait Si, je lui crois que c'était Joël, et il est devenu patron comment de Zouk Radio après, mais à l'époque, c'était le patron de la nouvelle marque, Virgin Cola et Pringles. ah c'est ça il y avait Virgin Cola Ouais. et putain j'ai oublié comment il s'appelait Joël Il s'appelait Joël. après Joël quelque et il chose. est devenu quoi et il est devenu quoi le mec là Edom Je sais pas, mais il mettait des strings. C'est tout ce dont je me rappelle. ah. Un jour, je suis allé dans Bizarre. sa chambre pour lui dire Ouais. Ouais, mon argent! Machin, nanana! Partir de maintenant, je veux plus 400 francs, je veux 800 francs. Et puis, j'ai ouvert Ouais. la. Il fait Ouais, entre. Rentre, mon foueur. Puis je rentre et puis il avait. Les jambes écartées, il avait tu sais, des espèces de petits slips en guépard, là. En fait, non, Il fait, je veux pas voir prends ton ton argent. J'ai fait, non, je l'aurai qu'il fait après. Ah, c'est un ouf, lui. Ouais, j'aimerais bien le revoir. Comment il s'appelait? Non, mais je crois que j'avais Et croisé. Dob, Je Jean-Claude et crois que Dob. j'avais croisé. Ouais, Jean-Claude, JC. JC Dob, il était cool, lui. C'est ça. Rodin. Quelles aventures. Je te jure qu'on peut faire un film. Hein.
On peut faire une série avec tous ces épisodes. Ouais, bah, c'est quoi le début? On commence par la fin. Voilà, tu commences par un grand concert. On commence par l'interview de Commences par un grand concert et puis tu retournes au début. Dans tous Et les ça différents serait. pays où on est tous arrivés. Au milieu d'Aubervilliers, au milieu de Ouais. Kinshasa, au milieu du Cameroun. Je ne sais pas où il est né, Hamilton. Tu te rappelles quand Pareil d'ailleurs. Hamilton, il nous disait qu'il sortait avec Whitney Houston? Ben, écoute, je me rappelle pas de ce qu'il disait Victor, parce qu'il disait énormément de choses. Mais non, je me rappelle pas. Ah, oui, putain, c'est sa copine, non? C'était Si, comment elle c'était s'appelle? sa meuf. À Ah, l'époque, en 96, je lui disais que c'était sa meuf. allez, là. Je sais pas. Mais il dit quoi? J'en sais rien, c'est vous, c'est les membres de votre groupe. Non, attends. C'était membre de notre groupe, mais attention, il a fait son boulot avec toi. Écoute, I don't know. I don't know. Voilà. Bon, vas-y, je vais commencer mon show. Il me reste 40 minutes. Allez, Vas-y, je t'appelle mangez. après. Vas-y, à tout à l'heure. Ciao, ciao.